Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Magic the Gathering, The Arena of the Planeswalkers. Donc, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de partie d'environ 1 heure. C'est un jeu d'affrontement tactique dans lequel on va avoir des petites figurines, des lancers de dés et un terrain avec des plateaux, avec des tuiles hexagonales. Donc, le plateau est construit à partir de plaques en carton qu'on va pouvoir placer, qui vont indiquer divers choses comme des types de terrain, de l'eau, du terrain classique, elles sont recto-verso, on va les moduler. Et on va avoir aussi des petites tuiles en plastique, comme ça, qui sont clippables. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est basé sur une licence qui appartient aussi à Hasbro, qui s'appelle Heroescape, qui est un jeu qui existe depuis un bon bout de temps. Et en fait, le jeu va vraiment reprendre tous les mécanismes. Et comme on a, on va dire, un espèce de crossover avec Magic the Gathering, on va retrouver l'univers de Magic, mais également un système avec de la gestion de cartes. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir des scénarios. Les scénarios vont être à base de duels avec simplement deux magiciens qui se tapent dessus. On va avoir des escarmouches avec plusieurs protagonistes. Et on va avoir aussi des scénarios à objectif comme tenir un point, capturer un élément et des choses comme ça. Le jeu est très simpliste, donc il est prévu pour être très accessible. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis simpliste, c'est vraiment les règles sont réduites au minimum. Au début de chaque partie, les joueurs vont choisir un personnage, donc un invocateur, et vont prendre la fiche du personnage qui correspond. Chaque personnage correspond à une école de magie. Donc, dans la version de base, on a les 5 écoles qui sont présentes dans Magic. Donc, on a la forêt, le feu, la vie, l'eau et la mort. Et ça va être la couleur de notre personnage, et toutes les créatures qu'on va avoir associées à notre personnage doivent être de cette couleur. Donc si on n'a que la boîte de base, on va avoir un invocateur pour chaque couleur, un deck de cartes qui correspond au sort de son école qu'il va avoir accès, et on va avoir deux escouades d'unités de la couleur aussi de l'invocateur. Le tour de jeu, en fait c'est très simple, on va avoir des cartes de sortilège, on commence à son tour par piocher une carte et ensuite on choisit parmi les unités qui sont placées sur le terrain laquelle on veut activer. Donc là par exemple au début de la partie je n'ai que mon invocateur, donc j'active mon invocateur, je vais faire une action de mouvement, on a une valeur de mouvement sur chaque personnage, donc là par exemple ce personnage se déplace de 5, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 par exemple tout simplement, et ensuite je peux attaquer. Donc je vais regarder la portée de mon attaque. Donc là, elle est de 7 sur ma fiche de personnage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon, je peux toucher, je vais lancer les dés qui correspondent à cette attaque, je compte le nombre d'épées, bon voilà, j'en ai aucune, et ensuite mon adversaire va lancer les dés et va obtenir éventuellement des boucliers. Les jets de dés sont très simples, puisqu'on voit bien qu'on a trois types de faces, bouclier pour la défense, épée croisée pour l'attaque, et après une face blanche qui ne fait rien du tout. Tous les personnages ont des capacités spéciales, c'est ce qui va donner un petit peu le sel du jeu et le côté tactique. Et additionnellement, on va avoir aussi, donc, comme je le disais, des cartes qui ressemblent beaucoup à des cartes Magic. Hein. C'est la même composition, c'est le même style. On n'a pas toute la gestion du mana pour lancer les sorts, hein. C'est beaucoup plus simple. On va pouvoir lancer jusqu'à 3 sorts pendant son tour. Et on va avoir des rituels, des sorceries dans la version anglaise, et des enchantements. Les rituels sont des sorts qui sont à effet immédiat, donc on peut lancer une boule de feu, lancer des racines qui bloquent un adversaire ou se rendre plus fort temporairement. Et on a les enchantements qui ont des effets permanents. Donc les enchantements peuvent être placés sur un personnage, peuvent être des enchantements globaux du plateau, sur un adversaire, sur une escouade complète d'unités adverses. La particularité aussi, c'est comme ils ont voulu simplifier au maximum, on ne va pas avoir de sorts qui provoquent des interruptions pendant le tour de l'adversaire. Donc, au lieu d'avoir des sorts qui se jouent pendant le tour de l'adversaire, on va jouer des enchantements spéciaux qui ont une composante un peu secrète. On va placer des enchantements face cachée sur la fiche du personnage adverse et on va le déclencher quand il va se passer une chose bien particulière. Donc, par exemple, j'en sais rien, la prochaine fois que ce joueur attaque, déclencher ce sortilège, cet enchantement. Du coup, on a un système qui ressemble un petit peu, si vous connaissez, au secret de Hearthstone, le jeu vidéo. On a la gestion du terrain, donc on va pouvoir escalader, sauter depuis des lieux élevés, etc. Donc on a une bonne gestion de la 3 dimensions. Et enfin, on a un élément qui est assez intéressant aussi, c'est qu'évidemment, comme on joue des invocateurs et qu'au début de la partie, on commence qu'avec notre invocateur, on va pouvoir invoquer des unités. Donc en gros, au début de partie, on va sélectionner une armée basée sur un nombre de points. On va choisir quelque chose d'équivalent entre les deux joueurs. Et par exemple, à mon tour, je vais dire j'invoque mes élémentaires.
Et là, je vais placer à côté de moi mes élémentaires. Et ça va être des unités qui vont pouvoir être activées ultérieurement. Une fois que j'ai fini mon tour avec l'unité que j'avais, je retourne la fiche. Et une fois que tous les joueurs ont retourné toutes leurs fiches de personnages, eh ben, ils récupèrent tout face visible et on va pouvoir recommencer. Les scénarios possèdent un système de compte-tour ici, qu'on ne voit pas forcément très très bien à la caméra, mais on a en gros des petits ronds avec des numéros. Et en fait, à chaque fois qu'on active une unité, que ce soit vous ou votre adversaire, vous allez déplacer le jeton. Et quand on arrive à la fin du compte-tour, eh bien, c'est la fin de la partie, on regarde qui a gagné. Voilà, vous savez tout sur Magic the Gathering Arena of the Planeswalker. Maintenant, à vous de jouer!